Ce sont 12 millions de Français qui font le pont. Encore 760 km de bouchons hier en fin de journée. C'était 1300 la veille. C'est énorme. C'est digne des départs de vacances de l'été. On voit bien que les Français bougent et veulent profiter, comme dans les parcs d'attractions où le secteur espère jusqu'à 30% de hausse de fréquentation. C'est simple. Hein, les allées sont pleines au parc Astérix où s'est rendu Lucille Pascanet pour RMC. La queue s'étire devant l'attraction Tonnerre de Zeus, revue et corrigée. Roselyne et sa famille en sortent à peine les cheveux décoiffés. Une heure et demie d'attente pour deux minutes de grand plaisir. Ça allait très vite. Ça vaut le coup. Ils ont adoré, alors ils passent à la caisse. 10 euros la photo petit format au stand d'à côté. C'est un petit peu cher. Ça reste un souvenir et il faut quand même marquer aussi l'événement, donc on fait pas ça tous les jours. Anaïs et ses deux filles, elles, sont des habituées. Très heureux de profiter des attractions de nouveau. Nous, on a le pass, alors on vient souvent. Elles viennent de découvrir le tout nouveau spectacle du parc, les plongeons de l'Olympe. C'était super. Franchement, on s'y attendait pas, ce qui saute d'aussi haut. Il y a de l'adrénaline, c'est sympa. Et vous, les filles, vous avez trouvé que c'était comment ? Bien ! Beaucoup, comme elles, sont venues s'amuser. 20 000 visiteurs ont fait le déplacement. Un peu trop pour Clément et Laura. Ils viennent de faire une photo avec Obélix. Je suis pas trop une heure et demie d'attente. On va se prendre une peluche et on va rentrer. Tout n'est pas perdu, on a une très belle photo. Cette fréquentation fait pourtant les affaires de David Bouvet, le directeur du parc, après deux années compliquées. On est très bien. Si on reprend par rapport à 2019, on est même un petit peu au-dessus. Et là, le démarrage de saison est plutôt positif. Par contre, on attend parce que le gros de la saison arrive. Pour la première fois, les trois hôtels du parc Astérix sont déjà complets pour tout le week-end.